Oui. Ah, incroyable. Je crois que ça fonctionne. Et donc, bonsoir, bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo incroyable sur Red Dead Redemption. On est parti pour aller parler à notre bonne amie Bonnie. Voilà, en descendant bien sûr, alors ça c'est la technique de l'étranger, hein, descendre directement comme ça sur le bar. Et donc il est 7 h du soir, bravo. Mon cheval dissident, il est là. Alors ça tombe bien, on va de l'autre côté. Et on est parti, on va aller voir Bonnie MacFarlane, parce que c'est quand même notre meilleur ami. T'as plus le pouce bleu? Ah merde. Ah, je suis tellement déçu pour toi. Franchement, Edgar, je sais pas pourquoi t'avais ça, sachant que chez moi il n'y a pas encore d'emote. Mais elle arrive, elle arrive. C'est cette emote incroyable que vous avez demandé, réclamé même, arrive bientôt chez vous. Par contre j'ai plus de vie, donc je vais crever. Donc il faut que je m'achète un remède de cheval. Kawaii DC. Ah si il cabre, je le replombe. Comme la dernière fois. Je refais la même. Ah mais tu te calmes. Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux te pousser? Oh putain, c'est comment il s'appelle? Abraham Lincoln. Ah ouais. Je te connais. Pas du tout. Ah, voilà. Ah bah ça c'est ce qu'on appelle une grosse maladie génétique. C'est un... Voilà. Mystérieux. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Oh, ça sent duel. A friend of mine was drunk as a skunk in the saloon on Thieves Landing. Ah. I think he's going to be unfaithful to his dear. Oh, c'est des choses qui arrivent, ça. Why don't you head over there? Et c'est-à-dire? Oh, ça sent l'enfoiré de base. On sent qu'il est là pour nous casser le cul un peu quand même. Oui, bah, on va pas y aller maintenant, hein, déjà pour commencer. Moi je vais voir Bonnie MacFarlane. Oh putain, maudit canasson, j'ai cru qu'il allait sauter, ce con. Sale bête. Il est bien ce jeu quand même. Ah, ils font la course. Vite, rattrapons-les. Ah putain, mais quel maudit canasson. Bonjour. T'as un copain ? Mais ils ont tous des problèmes. Salut Shinde. Bienvenue. Ça sent tellement le... Ça sent le traquenard. Je te préviens, j'ai une carabine. J'hésiterai pas à m'en servir. Putain, ça... Où il va? Mais pourquoi il va là, mon cheval? Oh merde! La victime est morte. Ah. Bon bah c'est pas grave, on va les venger. Voilà. C'est bon, vous êtes vengés. Ah bah ouais, mais ça arrive aussi les mecs. Voilà. C'est les choses qui arrivent. Sans déconner. On a le temps de rien ici. Hein. On est en pleine nuit, on se balade comme ça. On va voir notre amie Bonnie MacFarlane et tout de suite... Ah, je suis vraiment désolé pour vous, madame. Ah oui, elle a été pendue. Regardez, on voit encore la corde qui pend. Là. Là. Ce jeu est bien fait. Vraiment, hein. Ce jeu est très bien fait. Admirez. C'est beau. PlayStation 3, les amis. Le futur est dans votre salon. Je te piétine, moi, salaud, bah, salaud, t'as vu ce que t'as fait, pauvre dame. Bon, on a du pognon. Il est où mon cheval? Eh bien là, sale bête. Et du coup, je suis perdu. Ah oui, c'était par là. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Incroyable. Ah! On n'avait pas un truc à faire avec les coyotes là? Tant que j'y suis. Grand chasseur, qu'est-ce que c'était? Ah, tuer 5 loups! Mais si, mais ça tombe bien! Enfin, je crois que c'est. J'espère que c'est des loups. Oh non, ça c'est des coyotes ça. Voyons voir. Ouais. Ouais, c'est des coyotes. Vu le bruit qui pousse. Je l'ai shooté? Non, je vais pas rouler dessus. Merde. On recommence. Si. C'est bien un coyote ça. Oh merde. J'avais raison. Depuis le début. Depuis le début, je le savais. Et ouais. Oh merde. Allez, allons voir notre petite Bonnie. Oui, mais il fait nuit là, donc... ah, ça tombe bien. C'est maintenant. L'incendie. Oh merde. Ah, et merci pour le follow, Shinde. Excuse-moi, j'avais pas vu. Merci, bienvenue dans la meute. Father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Ah. Well, come on, let's go look for him. Allez, viens, je t'emmène faire un tour. Come on, let's see if we can find. Alors regarde, moi j'appelle mon cheval et il se barre à l'opposé. C'est quand même mieux. Tu vois? Hop là. Par contre, on y va. Hein. Ah putain, ça va être encore un truc de rapidité, sinon on va y avoir une corde qui va pendre. Solide comme un roc. Don't you have any brothers or sisters, Miss MacFarlane? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. Il avait 2 ans à l'époque. According to his last letter. He should be here helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. Ah bah si les banquiers c'est foutu hein. Ouais. I just never met a man in a tie I could trust. Allez, normal, banquier. Look, I think I see someone. Ah. Come on, boys. Daddy, what happened? Oh mon Dieu. Wrestlers, I guess. Maybe the baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now. Fetch your wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Ah, escorte donc. Je serai donc une escort girl pour Bonnie. Non mais où tu vas? Il y a des méchants. Forcément, ça va mal se mettre. Ah. Non. Tu vas te faire péter le cul si tu y vas toute seule. Bien sûr. Bon, arrête de me pousser quand j'essaie de galoper à côté de toi. Sale bête. Look, Mr. Marston, the barn is on fire. The barn is on fire. The barn is on fire. Oh mon dieu, faut tourner là. Oh, c'est tarif. Quoi? Mais c'est de la bite. Je fais une entrée remarquable en sautant par-dessus cette putain de barrière et vous avez terrorisé les citoyens. Vous n'avez vraiment pas suivi le règlement. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de la bite, sans déconner? Ah, merci Zaman pour le sel. Oh my god, the barn's on fire. There ain't enough of us. Whoa there. Somebody get them horses out. Los caballos. Qu'est-ce que je fasse? Ok, passons par derrière. Les Anglais ont débarqué. Par là, là? Ah non, oui, par là. D'accord. Putain, mais comment ils courent? Ça va. Ça va. Non, ça va pas. Et qu'est-ce que... Bien sûr, gros skill, toujours. Ah. Non, mais qu'est-ce que... Mongolo. Ah Edgar, si tu n'es pas content de mon bot, je t'invite bien évidemment à te faire un serveur et mettre les bots que tu voudras, bien sûr, avec grand plaisir. Alors est-ce qu'on peut aller plus vite en tapotant une touche? J'ai peur de faire une connerie. Non, ça marche pas. Putain mais les bêtes ont le temps de cramer 15 fois là. Mais pourquoi je peux pas monter? Pourquoi ils voulaient pas que je monte? Ah parce qu'il n'y avait pas de planche. Entrez dans la grange, d'accord. Mourez. S'il vous plaît, mourez. Descendez. Ah mais merde, mais ça va être... Ouvrir, d'accord. Oh les salauds, c'était prémédité. T'es sûr? Bon. Genre. Donne-lui une petite tape. Hop là. Ah non! Il m'en reste un. Ah oui, je peux lui monter dessus. Ah, c'était pas par là. Ah ouais, mais je vais terroriser les... Non, ça va. Ça va, c'est bon. J'ai cru que j'allais terroriser encore les citoyens juste en sautant une barrière. Oh, belle moustache. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely. Ah, par contre, lui, il terrorise personne en faisant son petit saut là. Did all I could, Miss MacFarlane. Sorry about all the damage. That gang seems to be Ça m'énerve. Yeah, well. My father fought Indians. I scarcely think we're going to be frightened by some white trash. D'accord. White trash can be pretty frightening. Okay. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. Ah. I think you got enough debt. You saved my life. Ah oui. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Voilà. Toi, je te connais pas. Je te connais pas bien en fait. It'd be my pleasure. Bon, finalement, ok. Well, you get some rest. Oh, tu m'emmènes? Je ne sais plus où j'habite. Mince. Mais on ne devait pas lui ramener le... Ah, un petit peu de répute. Et beaucoup d'honneur. On se trouve d'honneur. Hop là. Est-ce qu'on peut rider une vache? Non, on peut pas. Oh, c'est nul. Oh, c'est... Oh. Oh merde, c'est le taureau ça. J'ai failli me faire défoncer. La mort nulle. Embroché par un taureau. Ah non, c'est de l'autre côté, c'est vrai. Et mon cheval, vous avez vu comme il est beau. Il attend là, tranquille. Hop là, bravo. Vieille bique. Du coup. Par contre, il va peut-être falloir que j'aille chez le docteur ou un truc du genre. Ne regarde pas. Ne regarde pas, je te dis. Finir en steak, toi. Allez, sauvegardons la partie. Bravo. Belle entrée en matière. Bravo. Alors du coup, il faudrait qu'on qu'on aille voir l'homme qui est dans la taverne, tout ça, s'il s'est pas barré depuis. Il est toujours là. Belle bête. Bonnie. Putain, et oui, mais j'ai rien en fait, hein. Pour me remettre de la vie. Ça remonte un peu, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc du coup avec, il n'y a plus d'histoire avec Bonnie, c'est bon, on est quitte. Ah, ça fume encore. Bon, tant qu'on est dans le coin, est-ce qu'il y a des trucs à faire en particulier? Voyons voir. Ah, ça c'est des fleurs pour madame. Ah oui, il faut aller à Thief Landing, c'est vrai, il y a le... Il y a le mec, il y a la mission. Et là-bas, oula, là-bas on a pas mal de choses à faire. On a le Marshal et le Doc, et ça tombe bien, on ira voir le Doc. Et autrement, dans les régions, est-ce qu'on a... Bon là, on a une location, très bien. Non mais on va aller voir, on va aller, hop là, à Thief Landing. C'est parti. Oh. Oh, ce petit dérapage. Oh non. Prenons cette, oui, ce petit avis de recherche. On prend. Nous on est des oufs, on prend. On fait tout nous. On finit le jeu à 200%. Ah mais j'y vais pas maintenant. D'abord il faut que je parte à l'opposé. Ah, il veut finir en kebab. Putain, oh pardon. Juste, je me pose la question si c'était bien par là qu'il fallait aller. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a une plante. Si c'est de la camomille, je me la... Oh putain, on dirait de la... Non, c'est pas de la camomille. Oh, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Ah, oh, camomille sauvage. Pff, allez, vas-y. Je prends, mais ça me... Ça m'emmerde. Ouais, je regarde un jour sur une carte où ça peut être les autres fleurs, histoire qu'on termine un peu cette mission de merde. Ah, ah bah non, mais ça c'est des fleurs pour madame, ça. On n'a pas encore. Il y avait un truc. Non, mais qu'est-ce que tu... Mais non, mais ça c'est encore des camomilles. Oh non, HD. Ah, deux plantes côte-côte. Si c'est encore des camomilles, ça va m'énerver. Je vais hurler. J'en ai tellement plein le cul. Il est pas content. Je vais, il est pas content. Maudit canasson. Alors cet homme est sans doute l'ami du mystérieux étranger. Ah mais non, mais déjà c'est les embrouilles. Attends. Parce que la dernière fois j'ai fait une connerie. Je voudrais pas que ça recommence. Allez! Et allez! Mon dieu! Pourquoi il veut pas? Excuse-moi! Bon, attends. On va utiliser une autre méthode. On va lui tirer dans les genoux. Bonjour! Ouais, mais désolé, hein. Allez, on embarque la nana. Allez, c'est parti. C'est vrai, j'aurais pu lui latter les testicules. Mais pourquoi tu fais ça? Jamais de la vie. Mets-lui un pied dans la bouche. De rien. Oui, bah non, pas vraiment là pour le coup, ils étaient tous en train de hurler et ils bougeaient pas. Alors, le mystérieux voyageur, bien sûr. Ah, un petit peu d'honneur, ça fait toujours plaisir. Ah, lui, il veut un duel. Bonjour. Décourageons-le. Excuse me, mister. Yeah, what the hell do you want? Look, don't ask how, but I know what you're about to do. You don't want to do this. The hell are you talking about? You know what I'm talking about, mister. I'm just here to say I don't think you should go through. How are you doing? Wife, how are you doing? She loves you. Shit, mister. I don't know who or what you are, but I guess I'm grateful. I guess you're right. I was raised better than this. Ouais, non, c'est chelou. Don't mention it. Come on now. C'est tout. La déception d'un homme. Oh! Je m'attendais à tellement plus d'action ou je sais pas, un truc quoi. Bon, jeu de merde. Ah bah, bonne nuit, Edgar, des bisous, merci d'être passé, bien sûr. Ah, on est chez nous, donc profitons-en pour récupérer des munitions et pour sauvegarder la partie, bien évidemment. Ah oui. Donc du coup, on a fait ça, on a sauvé les chevaux de Bonnie. Il commence à faire nuit. Est-ce que ça serait pas le moment pour aller péter des culs? Je vous le demande. Allez, j'aime la difficulté. Il va pas tomber dans l'eau, il va pas tomber dans l'eau, il va pas tomber dans l'eau. Putain, me refais jamais ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, on a la vie de recherche, c'est vrai. On a la vie de recherche, voyons voir où pourrait être planqué ce maudit galopin. Ah, il est là-bas. Oh non, mais c'est trop loin là. Bah non, on va d'abord aller à Armadillo. Ah ouais, on va faire ça. On va se faire une bonne route vers Armadillo en espérant qu'il se passe 2-3 trucs. Ah, le journal. Quelles sont les nouvelles? Pas de nouvelle édition. On va aller bien vous faire foutre. Ah, et là on s'amuse. Là on galope. Là on est bien. Bougez-vous! Non, c'est vrai, c'est des pâquerettes. Ah, mais arrête! Putain, il va me jarter. Je sens qu'il va me jarter. Ce con de cheval. Ah, il fait jour! Ah bon? Encore? Putain, j'ai loupé un truc. Pendant qu'on arrive dans la meilleure ville du jeu, bien sûr. Normal, il y a Bonnie. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Alors, à droite. Là, ils pourront pas dire que j'ai pas serré à droite. Hein. Oh. Quick. Elle est où la bête? Mais non, il est... Ah, il s'est barré. J'ai cru que je l'avais tué. Genre, je le piétine, il se barre, quoi. La camomille sauvage encore. Mais pourquoi? Oh. Oh, la belle bête. Voyons voir, est-ce qu'il sera mieux? Montons-le. Non, reviens. Reviens. Arrête. Ah, il est à quelqu'un. Pardon. Je savais pas. Hein. Ah, je vous le laisse. Oh, ça va. L'autre est jaloux. Oh, qu'est-ce qu'on a par là? Oh putain, Bambi. Non, c'est pas des Bambis, ça. Ça, c'est quoi? Ah, oh, c'est encore de la camomille. Ah, oh, ce jeu m'énerve. Est-ce qu'on peut les faire sauter? Non? Oui! Non! Oh merde! Oh putain, j'y ai tellement cru! Ah, t'en veux des plantes, ton putain, mais attends, tu vas en avoir! Ah, ça peut être cool, ça. Pour savoir retrouver des plantes. On a le droit de prendre le cheval. Mais non, mais descends de là, Mongolo. Pousse-le. Voilà, bravo. Oh, alors ça, c'est vraiment pas de bol, hein. Viens là, maudite sale bête. Vite. Non, descends. Non, arrête. Oh putain, il m'énerve. Viens là. Je peux arriver avant lui. Je peux arriver avant lui. Je peux le faire. Eh oui. Allez. Quoi, 5 de réputation, c'est tout? Oh, c'est nul. Bravo. Ah bah ça, pour la cueillette, ça va, hein. Putain, il y en avait un juste là. Je me dégoûte tellement. Bon, du coup, j'ai de la camomille. Cool. Encore. C'est marrant, je reconnais pas la route. Peut-être parce que c'était pas là. Ah, on arrive là, ok. Ce reward de... Mais tellement... J'ai tellement l'impression de m'être fait avoir en beauté. En beauté. Pas content. Le cheval il est pas content, il gueule. Qu'est-ce qu'il y a dans la pampa par là? Allons voir. Cola Springs. Ça me dit quelque chose. Ah, les souches du désert, d'accord. Non, c'est pas là-dedans. Inactif. Hein. Ouais, mais ça c'est bon, ça, je vous connais, on l'a fait. Alors, pas du tout, en fait. C'est pas du... Non, bah d'accord. C'était un trésor... Ah, mais si, c'était le trésor qui était là-dedans. Dans cette pampa, là. Putain, la mémoire est une drôle de chose. Culé, quand. Est-ce que ça serait pas... Non. Non, ce serait pas un armadillo la maison. Mais non, c'est pas un armadillo la maison. Pas du tout. Mais... Bon, eh ben on va aller voir le Marshal. Ah non, d'abord on va aller voir notre pote là. Faut qu'on aille chez le docteur. C'est vrai. Et le mensonge ne paie pas, quoique... Ah. Cet homme a l'air parfaitement rassurant. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Ah. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. Il a l'air d'être spé quand même. C'est lui qui s'était fait plomber le cul, je crois. Hein. Oh, much better. But then they would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir. I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. If you buy 100 ounces or more, that's a lot of immortality. Ouais. Give it up, old man. Bon, là, non, c'est pas vraiment un renard, là, pour le coup. Hein. Give it up, old man. Oh mon dieu. Listen, Marston. Lui, il suce pas que les bâtons dans l'église, à mon avis. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood. Ça pue l'embrouille. Okay. Vous le sentez, le plan foireux à... Oh là là. Ah, c'est moi qui conduis en plus. Bah forcément. Ah, par contre, poussez-vous, hein. J'ai pas le klaxon, ça va chier. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Non, non, fion. J'ai failli décoller. Ça, ça sent le retour en charrette où il va falloir qu'on lui défende son cul. Oh, il y avait un Bambi. Bah dis donc, elle avance pas vite, t'as deux chevaux. Ah non mais écartez-vous les gars, là je vous roule dessus. Un Bambi. Oh merde, j'aurais essayé. Ah, je crois que j'ai eu un lapin. J'ai entendu le quick. Il y a plein de Bambis dans le coin. Ah merde. Ah non, c'était par là. Pardon. Désolé. C'est où la marche arrière? J'ai été complètement ailleurs. Mais non. T'inquiète pas, j'en prends soin de ta marchandise. Ok, donc toi tu continues tout seul et moi je te rejoins, c'est ça? Bah je peux prendre mon cheval. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Regardez comme il est intelligent, ce cheval, il m'attendait déjà dans la ville. Et ça, brave bête. Un peu con par moment, mais brave bête. Attends, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc dans le coin avant? Ah non, putain, il faut pas le faire attendre. Oh, j'en ai tellement marre. Bonjour. Ouais, c'est kit de K2000 là, avant l'heure. Exactement. Exactement, Zaman. Oui, oui. Non. Non plus. Non. I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backaches, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Ah oui, bien sûr. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Bonjour. Je suis un étranger, hein, mais tout va bien. Je ne suis jamais venu avant, mais je suis là totalement par hasard. This poor poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il me demandait? Your eyesight is greatly improved, is that not so, friend? If you say so. Not really. That's right, it is. You heard him. What a good sport. Pas vraiment, je vois double, j'ai la tête qui tourne. Est-ce que c'est ça qu'on appelle améliorer? Ah. Ah. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Alors j'imagine que si je vise à côté, je vais avoir l'air d'un con. Mais barre-toi le cheval. Voilà la vision d'un aigle, bien évidemment. Bien évidemment. Avec le cheval qui troll qui passe juste devant. Ah. Ça marche. Ok, combien de balles? Ok. Oui, oui, d'accord. Merde! Ah, j'ai raté. Non, je demande le rejoue, le rejouage. Putain. Attends, on recommence. Le petit coup, c'était juste pour que les gens s'écartent, bien sûr. Hein. C'était pas du tout une fausse manip de ma part. Bah, ça t'a voulu jouer, t'as perdu, hein. Oh, cette moustache. Oh là là. Attends, regarde, tu vas goûter l'élixir. Voilà, c'est bon. On dirait une garce. Oh là là. Et voilà, la preuve irréfutable. Je l'ai juste, j'ai juste bourré le bouton, hein, c'est tout. Alors on va pas le tuer, hein. Merde. Putain, je comprends pas pourquoi quand j'appuie sur R3, ça tire un coup alors que... Enfin ça... Bref, vous avez compris. Ah, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Par contre, l'autre, il a pas intérêt à se tirer avec ma part du marché parce que sinon ça va gueuler. Ah oui, on les a eu ces bouseux. Ah ouais. J'ai soufflé. Tellement c'était drôle. Oui, bien sûr. Ah. Moi non plus. Bah si, j'ai compris l'allusion, mais là j'ai pas tout compris. Alors il faut aller voir 7, d'accord. He's most often found at Coot's Chapel. Ah. Very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's. Oui, un peu comme dans ses petites fesses, j'ai l'impression. Bravo. Ah, nouvelle répute. Nouveau lieu. Grosse ambiance. Rejoindre... Oui, ouais, d'accord, ouais. Mais pas tout de suite, si. Bonjour. Bon, ça va de la répute ici. Ah. Quoi? Ça, c'est alloué? Fous ma gueule. Fous ma gueule. Bon, en tout cas, la maison que je cherche pour le trésor n'est pas ici, clairement. Et là, alors là-bas, c'est mon cheval, hein. Regardez. Voilà, tout au bout là-bas, c'est... Oui, c'est bien lui. Con comme un balai. Louer. 5 $ pour louer cette chiasse. Fous ma gueule. Il y a un coffre au moins, il y a quelque chose. Non, il y a que dalle. Il y a une bière vide. Forcément. Oh, je loue pas ça, moi. Barrons-nous. Barrons-nous de sécher Pécor. Maudit. Mais il est où? Mais... Putain. Des fois, il me fatigue, ce cheval. Ah. C'est où? C'est là-bas? Oh putain, faut aller là-bas. Ah bah ça tombe bien, il y avait le Marshal. Allez, on va essayer, on va faire la course contre le train. Allez, je vois que le train se dirige vers, vers là-bas. Allons-y, faisons la course. Oula, ah, déjà ça me le barre. On verra comme ça ce qu'il vaut ce maudit canasson. Ah putain, il gueule déjà quoi. Je vais donner une petite tape au cul, ça y est, il est pas content. Arrivez-vous? Pas le temps. Ah, faudra peut-être qu'on passe par là, tiens. J'ai vu qu'il y avait des petites plantes sur le côté, j'ai pas le temps, je fais la course. Putain, il va faire le con. Je sens qu'il va faire le con, ce cheval. Oh mon dieu, des cailloux, ça va, tout, ça passe. Ça passe. Non, pas par là. Ah, oh, là. On va couper. J'y ai cru, hein, à mort. Attention, exactement. Attention aux coyotes aussi. Oh, des bombis. Ah, qu'est-ce qui t'arrive encore? T'es où? Il est où? Ah, c'est lui là-bas. Non, peut-être pas ça. Alors, on va prendre plutôt ça. Oh, mais non, non, non. Encore moins. Mais cours! Il est où? Il est là. Attends, on va le régler. Mais non, mais pas comme ça. Ah si, attends. Ah. Ah. C'est bon? T'es calmé? Ça a tué. C'est pas vrai. J'ai rien fait, ça l'a tué. Oh putain, ça braque pas, hein. Allez, bip. Regarde, bip. Non, bip, bip. Bravo. Ah, il y a encore une... Oh là là... Oh mon dieu. Mais c'est une vraie savonnette. Bonjour. Incroyable. Hey, my name is John Marston. Welcome to Jackass. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Allez, on prend ça. Hop, voilà. Et on va aller dormir. On va se remettre de nos émotions. Ah, je vais essayer de... Ah, la prochaine fois, j'essaie de déclencher une bagarre dans le saloon. Voilà, on va dire... On dit qu'on fait ça. On dit qu'on fait ça. Vous allez voir, ça va être bien. Allez, on sauvegarde. Et ça marque, et bien évidemment, la fin de cette vidéo YouTube. Pour ceux qui sont sur le live, restez, ça continue bien sûr. Oui, incroyable. Après cette magnifique cascade, la suite au prochain épisode, bien évidemment. Des bisous YouTube. Ciao.